un mot d'actualité pour conclure cet entretien. Connie Hedegaard, ancienne commissaire européenne au climat, va intégrer le tout nouveau, je cite, Conseil international de durabilité de Volkswagen. Double question, qu'est-ce que vous en pensez et sera-t-elle auditionnée? Alors moi, j'ai plusieurs problèmes parce qu'aujourd'hui, les citoyens se détachent de plus en plus de l'Europe. Ils n'aiment plus l'Europe. Alors les symboles qu'on donne ne sont pas terribles. On a eu M. Barroso qui aujourd'hui s'en va chez Goldman Sachs. On a eu Nelly Cruz où on a appris qu'elle avait justement un fonds d'investissement dans une espèce de paradis fiscaux. Et aujourd'hui, on nous dit, mais notre ancienne commissaire va chez Volkswagen pour juste donner des conseils. Pas n'importe quelle ancienne commissaire. Et pas n'importe quel conseil. Donc moi, je crois que ce n'est pas normal qu'elle aille sur ce genre de mission. Maintenant, si c'est pour réorienter Volkswagen et de dire maintenant, ça suffit de tricher et ça suffit de prendre les gens pour des imbéciles, ça peut avoir un intérêt de reconversion d'une industrie. Mais sur le principe même, je ne trouve pas ça très honnête et pas très éthique. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments. Merci à vous. La rédaction de Toute l'Europe restera évidemment attentive aux travaux de la commission EMIS sur le Dieselgate. Quant à moi, je vous dis au mois prochain pour un nouveau numéro de Toute l'Europe en débat. Et d'ici là, restez connectés sur toute-l'europe.eu.